Je m'appelle Marie, je suis étudiante en 5e année à l'IFEC. Et depuis la rentrée, je suis en clinique, donc à la clinique chiropratique étudiante d'Ivry-sur-Seine. Donc le stage consiste à mettre en pratique tout ce qu'on a appris depuis le début de notre scolarité. Donc on effectue 300 consultations. Avec toutes nos connaissances, c'était assez aisé de faire l'anamnèse du patient. Et ensuite, avec l'aide du clinicien, d'établir un plan de traitement, c'était aussi assez facile. D'abord, l'anamnèse avec le patient, on va voir le clinicien pour lui en parler, voir si on a des questions, etc. Ensuite, on revient faire l'examen clinique à notre patient. Et avec ça, on va pouvoir établir un diagnostic avec l'aide du clinicien pour faire le traitement en accord avec lui. Le contact avec le patient et de enfin mettre en pratique tout ce qu'on a appris depuis le début. Ce qui est le plus difficile, je dirais, que c'est de mettre en corrélation toutes les informations qu'on reçoit pendant la consultation et en même temps de garder un contact naturel avec le patient.